Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour cet après-midi de notre colloque Pédiadol. Nous allons avec le docteur Girardon introduire et modérer cette session, centrée donc sur la problématique de la mémorisation et de l'inscription dans la psyché des douleurs de l'enfance. Nicolas, vous voulez peut-être dire un mot? Oui, alors nous pourrons sûrement aussi faire des liens avec les présentations de la matinée, notamment avec la théorie de l'attachement qui a été une intervention, je pense, tout à fait remarquable. Alors, avant de commencer, je vous rappelle quand même de voter, n'est-ce pas, pour la meilleure présentation du matin, pour que dans 1 heure et demie environ, eh bien, la lauréat puisse être désignée avec remise de prix par Madame Olnet, présidente de la Fondation Apicil, que je remercie déjà, ainsi que nous le faisons tous, groupe Pédiadol. Alors maintenant, entrons dans le vif de notre sujet pour la session mémoire et douleur. Nous allons avoir trois présentations qui vont se succéder. Et d'abord, l'une qui va être une interview entre un ancien patient et un médecin. Ensuite, nous aurons une intervention d'une psychologue qui a fait un travail sur les compétences des adolescents qui les aident à se sortir de la douleur chronique. Et puis, nous aurons l'intervention d'un professeur de psychologie qui est au Canada et qui, de là, nous parlera de ses nombreux et brillants travaux sur la mémorisation de la douleur chez les enfants et leur impact. Alors, commençons par le commencement. Donc, nous introduisons maintenant l'interview entre Étienne Ferrag et le docteur Barbara Tournière. Alors, Étienne est, on peut dire, un patient expert, puisqu'il va vous en parler. Il a subi et fait face et affronté et surmonté beaucoup, beaucoup de douleurs et d'épisodes douloureux depuis sa toute petite enfance. Et il va être interviewé par Dr Barbara Tournière, pédiatre responsable du centre de la douleur de l'hôpital Trousseau, qui l'a connu plus jeune et va donc être à même de remettre en lien les expériences de son enfance ou de son adolescence et ce qui se passe maintenant pour lui. Étienne et Barbara, à vous la parole. Bonjour. Alors, c'est vrai que quand on a réfléchi au programme de cette journée, on s'est dit que sur cette session, pour parler d'expériences douloureuses, parler de mémorisation et d'adolescence, ça pourrait être vraiment intéressant de commencer par un témoignage. Et on va donc faire ça maintenant avec cette interview. On a choisi ce format avec Étienne. Étienne, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Vous avez déjà en fait témoigné lorsque vous étiez adolescent. C'était déjà moi qui vous avais à l'époque posé quelques questions. Ça a donné lieu à une petite vidéo qui est encore beaucoup, beaucoup regardée dans les formations, qui est disponible sur les sites de Pédiadol, de Sparadrap et du CNRD. Elle est intitulée Quand les soignants n'entendent pas, expérience d'un adolescent. Vous étiez à nouveau présent à la journée du CNRD il y a quelques années et vous revoilà avec nous. Donc, merci beaucoup de votre fidélité et c'est très précieux pour nous de vous avoir à nos côtés. On a donc choisi ce format interview. J'ai donc la tâche de vous poser quelques questions qui vont jalonner ces échanges. Est-ce que vous pouvez déjà
peut-être commencer à vous présenter, nous expliquer un peu votre parcours. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci à vous, hein, Barbara Tournière, ainsi que Monsieur le Président Daniel Hannequin pour cette nouvelle invitation. En ce qui me concerne, donc, je m'appelle Étienne Vérac, j'ai 34 ans, je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite, qui est la maladie des os de verre, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Donc ça m'a forcément procuré de nombreuses fractures et problèmes orthopédiques qui n'étaient pas toujours étiquetés, et ce, dès l'âge de 2 mois. J'ai eu donc plusieurs interventions SMUR, consultations aux urgences, hospitalisations et interventions chirurgicales. Pour ma vie professionnelle, j'ai donc commencé la formation d'infirmier, puis j'ai exercé le métier d'assistant de régulation médicale au SAMU 80, ce qui me donne une potentielle double casquette. Il me tenait à cœur de moi aussi participer à la prise en charge et aux soins des personnes en détresse. Merci, merci beaucoup. On peut voir un peu votre parcours. Donc, j'ai préparé une petite liste de questions. Je les ai appelées des questions paillettes. Donc, voici cette deuxième question. Vous avez subi beaucoup de douleurs, que ce soit du fait de votre maladie, des soins, des radiographies, de la chirurgie. La liste est longue, vous venez un peu d'en parler. Quels sont les souvenirs que vous avez de ces douleurs et quelles traces vous ont-elles laissées? Alors, les souvenirs, il y a des souvenirs de douleurs de différentes intensités, qu'elles soient traumatiques ou médicales récemment, parce qu'en effet, j'ai eu peu de douleurs médicales étant jeune. Je le découvre là maintenant avec des céphalées ou des coliques néphrétiques. Donc, les douleurs, c'est comment expliquer? C'est de différentes intensités, mais je ne saurais pas vous qualifier une douleur là, à l'instant T. Les différentes expériences, elles m'ont permis de me forger un savoir empirique par le vécu, qui est parfois lointain du savoir théorique du partenaire de soins, plus communément appelé soignant. Alors, lors de mes interventions, je n'aime pas beaucoup les termes patient et soignant. Je trouve que c'est déshumanisant et dépersonnalisant. C'est-à-dire que, avant tout, un patient, c'est une personne qui est atteint d'une maladie ou qui a une pathologie. Et le soignant, c'est une personne qui va aider à soigner. Alors, je m'impose toujours de rester calme afin d'apporter en gros de la crédibilité à mes propos, bien que le calme ne soit pas toujours considéré comme tel, hein, selon l'interlocuteur que vous avez en face. Mais il ne faut pas confondre que le fait d'être calme ne veut pas dire qu'on n'a pas de douleur et que la douleur reste quelque chose d'invisible. Alors, dans les relations humaines, s'énerver n'arrange jamais les relations. Donc, je m'efforce d'expliquer toujours sereinement, en gros, même en situation de crise. C'est, je pense, fort probablement déstabilisant pour le partenaire de soins, qui est lui-même peu habitué à ce genre de situation. Comme exemple, lorsque j'étais jeune, j'étais même capable, dès le très très jeune âge, de guider un manip radio, par exemple, sur le positionnement d'une jambe, sur une fracture de jambe, hein, à quelques degrés près, en fonction du ressenti de la douleur que je pourrais qualifier d'acceptable, entre guillemets. Je pense que le cerveau s'adapte et il oublie les moments difficiles. Donc, il y a quelques gros crashs qui me restent, des souvenirs, mais bien souvent, c'est plus la souffrance morale qui reste sur le manque d'écoute au moment du crash. Voilà. Vous attirez donc notre attention sur deux choses importantes. Premièrement, que ce qu'on voit sur le visage n'est pas le représentant de la douleur. On peut avoir très mal et ne pas crier. Et deuxièmement, que finalement, il y a la douleur somatique et puis la souffrance qu'on peut ressentir liée aussi à tout l'environnement qui va avoir lieu dans les soins. Et ça me fait arriver à ma troisième question.
Quand vous étiez adolescent, on vous voit dans cette vidéo qu'on avait fait ensemble à l'époque, très démunis. En fait, les soignants ne prenaient à l'époque, ce jour-là, pas du tout notion de l'intensité que vous aviez. Votre mère avait dû intervenir. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette situation? Alors, le fait d'être démuni, en effet, ça, je pense que c'est tout le temps. Ça commence déjà initialement, la vidéo que nous avions tournée ensemble, c'était une hospitalisation. Et je vais vous remettre juste le cadre. L'histoire, c'est j'étais donc au lycée et j'étais dans une file d'attente avec un moment, un mouvement de foule avec plusieurs dizaines de personnes qui me sont littéralement passées dessus. J'ai eu donc le réflexe de me mettre en boule. Et ça m'a valu, alors on dit quand on aime on ne compte pas, mais c'est pas vraiment ça, mais je ne sais plus exactement combien de fractures, mais en gros j'avais un ou deux tibias, un fémur à 45 degrés et puis d'autres traumatismes bénins. Le réflexe de mettre en boule, j'ai demandé instantanément quand les personnes s'étaient évacuées à mon meilleur ami qui était sur place de me déplier parce que je savais pertinemment que rester en boule avec l'adrénaline, ça passe à l'instant T, mais d'attendre comme ça jusqu'à l'arrivée des secours, j'aurais jamais réussi à me redéplier facilement. Donc j'ai demandé à mon meilleur ami de m'aider à m'allonger entre guillemets au sol au lieu de rester en boule. Être démuni, ça passe aussi, ça commence par le VSAB, enfin les pompiers, premier secours arrivés sur place, qui, je ne sais pas pourquoi, s'étaient mis en tête que il avait l'intention de redresser ma jambe, qui était mon fémur, qui était à 45 degrés. Donc pour lui, ça lui semblait pas normal. Et je ne sais pas dans quel film il a vu jouer ça, mais bon, il avait l'intention de le faire. Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fémur était en effet à 45 degrés. Il était encloué. Donc à part faire des miettes de mon fémur, il n'allait pas faire grand-chose en le redressant sur place. D'autant que ce n'est pas un personnel de santé, donc il n'allait pas le faire. Bref, ça c'est la situation initiale de Stospi. Avec l'expérience et ces moments et la maturité qui en découlent, je me dis surtout que je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir assumé ce lourd fardeau, d'accord, qui était désiré par aucun de nous. Ils ont réalisé un travail de traduction envers les soignants lors de mon enfance, tout en restant pédagogue, qui reste, pédagogue et calme, qui reste quand même un travail de titan. La place des enfants est énorme dans la prise en charge d'un enfant ou d'un ado. Sont les seuls repères tant pour l'enfant que pour les soignants. Parce que dans un milieu qui est plus ou moins inconnu, et les seuls dont la connaissance de l'enfant permet de traduire les non-dits et l'implicite. Le silence et voire la résignation d'un enfant qui souffre mérite une écoute particulière qui ne s'apprend malheureusement pas ou peu dans les écoles, instituts et facs. Il est important de prendre en compte un discours que je qualifierais d'égalitaire, c'est-à-dire entre le parent et le soignant et le parent, l'enfant et le soignant et l'enfant. Il y a autant d'importance initialement dans le discours de chacun. Les parents ne sont pas un frein, ils peuvent l'être considérés comme tels par les soignants. Pour moi, ils ne sont pas un frein, ils sont des acteurs de soins. Beaucoup de parents ayant des enfants avec des pathologies chroniques sont en capacité de venir en aide à l'enfant comme aux soignants. Et en effet, lors de cette vidéo, j'avais été démuni face aux soignants avec une seringue électrique de morphine. Vraisemblablement, le branchement n'était pas correctement fait. Et donc, il remontait instantanément dans la perf pour après redescendre à la vitesse de la perf et diluer via la perf. Donc, forcément, au niveau antalgique, il y avait un problème. Je ne risquais pas de ne plus avoir mal. Voilà. Donc à l'époque, votre maman, et là vous le dites bien à quel point les parents peuvent et doivent être des partenaires de soins, on l'a vu dans les présentations ce matin aussi, vous êtes maintenant vous-même devenu adulte. Comment toutes ces étapes de l'adolescence et d'arriver à l'âge adulte se sont passées pour vous?
je vais dire, avec ou malgré ces douleurs? Alors, passé, ça s'est passé. Je ne saurais pas bien vous dire comment. Je sais juste que j'ai compris petit à petit qu'il allait falloir que j'assume les deux rôles, c'est-à-dire, entre guillemets, hein, enfant et parent. Donc, avec comme mission de dire les choses, les expliquer et traduire éventuellement l'implicite. Mais moi-même, maintenant, je n'ai plus l'aide de mes parents étant enfant. Plus on vieillit et plus on assume. Je vais malheureusement ni vous mettre des paillettes dans les yeux, ni vous vendre du rêve. J'ai découvert que le manque d'écoute de la part du soignant n'est pas exclusif aux enfants qui sont soignés, c'est aussi pour les adultes. Alors, pour la période enfant, l'excuse probable était en partie le manque de crédibilité auprès du soignant par le jeune âge de l'enfant. Je pense qu'il est nécessaire d'instaurer une relation de confiance entre la personne soignée, donc vous appelez patient, et les partenaires de soins qui vont aider à soigner, qui est donc l'équipe pluridisciplinaire. C'est pas seulement pendant le soin, c'est-à-dire que quand vous avez une aide-soin qui dit, je vais le dire à ma collègue en parlant de l'infirmière, ou l'infirmière qui dit, je vais le dire au médecin, quand vous, en tant que patient, vous transmettez une info. Apprendre après que l'information n'a pas été transmise. Alors, il y a probablement différentes raisons. Est-ce qu'il y a une surcharge de travail? Est-ce que c'est un oubli qui reste humain? Enfin, je ne sais pas. Le minimum est de s'excuser et de ne pas passer au silence l'oubli qui reste, je le rappelle, humain. La confiance n'est valable que si, la fiabilité de la personne est démontrée. Ça reste une relation humaine, quoi. Donc, et il n'y a pas de confiance aveugle. Vous nous parlez de confiance et de lien, et ça fait le pont aussi avec ce qu'on a entendu ce matin. Et là, aujourd'hui, vous êtes adulte. Vous avez probablement été puisé dans des ressources probablement assez incroyables pour traverser tous ces moments difficiles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces ressources et de la façon dont vous les avez identifiées, utilisées? Oui, alors je pense qu'en premier lieu, ce qu'il ne faut pas omettre, c'est la maturité qui est précoce. Avec dès que vous avez un souci étant très jeune, vous avez une maturité qui en découle. Je me suis toujours basé sur le raisonnement humain pour adapter le message de la douleur ou de la souffrance vécue grâce à l'expérience. J'ai toujours analysé l'humain ou l'homme que j'ai en face de moi, comme j'en parlais juste avant, avec des tests de fiabilité pour plus ou moins, du coup, lui donner ma confiance. Je pense que ce qui est important, je l'ai déjà dit, mais ce qui est très important, c'est créer une relation de confiance et créer une relation éducative réciproque propice aux meilleures conditions de soins. C'est la mise en commun des savoirs qui soient empiriques pour la personne nécessitant des soins ou qui soient académiques pour la personne qui est le partenaire de soins, donc le soignant. Merci, merci beaucoup Étienne pour votre précieux témoignage. Ce sont des témoignages qui aident beaucoup à la fois les autres personnes malades ou atteintes d'un problème de santé et les professionnels. Et pour finir, est-ce que vous auriez justement un message à faire passer à ces professionnels, des idées de choses qu'ils pourraient faire pour amoindrir ou rendre le moins terrible possible l'impact des douleurs, leur retentissement? Alors, mon discours est en aucun cas une critique hein, des partenaires de soins. S'exprimer auprès d'eux en direct a toujours été ma technique à moi pour améliorer les pratiques professionnelles. La douleur qui reste un symptôme qui est non palpable comparé, par exemple, à la pâleur ou une hémorragie, etc.,
Elle est donc par conséquent souvent mal comprise, mal interprétée et mal considérée, et elle culpabilise probablement le partenaire de soins. Sur le papier, le soignant doit soigner. Donc chaque situation d'impuissance est humainement difficile à vivre pour lui, mais il faut accepter que la guérison ne soit pas acquise par toutes les personnes soignées. Cette acceptation, elle vaut pour le partenaire de soins et pour la personne soignée. Par contre, pour la personne soignée, ça reste un travail qui est personnel. Il n'y a pas besoin de cours, d'accord, de la part du partenaire de soins. La personne soignée, qui est la principale concernée, de par son vécu, lui permet un autodiagnostic fiable. Ajoutez à ça qu'à chaque crise, c'est un combat contre la douleur, que personne n'aime, qui est tant redoutée, la dépendance, et savoir et en être conscient que la douleur et la dépendance vont durer un certain temps, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc c'est un combat qui est bien plus loin que la douleur ressentie à l'instant T au moment du crash. Il ne faut pas oublier que zéro douleur n'existe pas. Mais l'écoute et la considération par le partenaire de soins améliorent son efficacité et évitent d'ajouter une souffrance morale à la personne soignée. Alors, je vais probablement choquer certains d'entre vous, mais guérir en médecine n'existe qu'à approximativement 10% des cas. C'est-à-dire que quand vous avez une angine bactérienne, vous mettez des antibiotiques, eh bien, normalement, en effet, c'est réglé et vous avez guéri votre patient. Là, dans d'autres cas, entre autres le mien, ça reste des soins. Et donc, pour atténuer les conséquences d'une pathologie, vous n'allez malheureusement pas me guérir. Si j'avais quelque chose à faire passer pour vous me parliez des professionnels de santé, je dirais mon discours en général a déjà été bon pour les personnels de santé, mais là je vais m'orienter plus vers les professionnels de santé qui sont responsables de l'enseignement. Je pense que introduire des témoignages de personnes soignées dans les cours comme dans les congrès comme aujourd'hui serait très intéressant et productif. Je vous remercie pour votre écoute. Bien, donc, merci Barbara, et merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement riche. Il y aura sûrement des questions, moi j'en ai une et je la poserai tout à l'heure quand ce sera le moment des questions. Je confirme tout à fait ce que dit Étienne. Je filme des patients en fin de prise en charge pour qu'ils puissent témoigner de leur évolution et surtout que ce qui a pu aider ces patients hospitalisés en médecine ou en psychiatrie, ces jeunes patients, qu'est-ce qui a pu les aider pendant leur séjour et quels conseils ils pourraient donner aux soignants. Et je pose cette question systématiquement, donc je rejoins tout à fait les propos d'Étienne. Et puis quant à la question que je poserai tout à l'heure, ça sera par rapport aux conséquences de vos douleurs aiguës sur l'entourage et au fond, est-ce qu'on ne peut pas considérer peut-être que ce qui est le plus traumatique, c'est les conséquences sur l'entourage et pas que la douleur en elle-même. Et ça, je crois que vous pourrez sûrement en dire quelque chose de très, très important. Je vais donc passer la parole à Nina Riegenbach, que nous aurons au téléphone en raison d'un problème technique. Nous ne la verrons pas, je crois, mais nous l'aurons au téléphone et nous pourrons passer ces slides également. Anina Riegenbach est docteure en psychologie à Lausanne. Elle a passé une thèse avec le professeur Rémi Amourou dans la même ville et l'université de Lausanne, une thèse qui portait sur le développement des ressources chez les enfants et adolescents atteints de douleurs chroniques. Et elle s'intéresse en particulier, au fond, au vécu de ces adolescents et de ces enfants dans leur milieu écologique. Et je partage personnellement tout à fait cette opinion, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à parler du verre à moitié vide quand on s'occupe de pathologie, de psychopathologie, de problèmes médicaux, et on ne parle pas assez du verre à moitié plein. Et je crois que tous ces travaux sont en partie, en tout cas, s'appuient en tout cas sur peut-être les recherches, les analyses autour de ce verre à moitié plein qui fait que ces adolescents sont avant tout des adolescents comme tout le monde, mais ils ont un problème, une situation particulière. Voilà ce que je peux dire sur Anina. Donc, je vous donne la parole.
Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour l'invitation. Ainsi que je tiens à remercier tous les organisateurs du congrès pour cette organisation qui n'a pas dû être facile, mais c'est une joie de voir que le congrès a quand même lieu. Donc en effet, la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'adolescent douloureux chronique est un ado comme les autres? Donc passez la slide. Quand j'ai commencé mon travail de thèse à l'Université de Lausanne, j'ai été très surprise de rencontrer que les adolescents que j'allais rencontrer pour ma recherche, en fait, c'était des adolescents qui n'allaient pas si mal, alors que leur image qui m'était décrite dans la littérature me semblait quand même assez négative, c'est-à-dire des adolescents qui restent beaucoup à la maison, qui ratent beaucoup l'école et qui ont un certain nombre de problèmes au niveau psychosocial. Les adolescents que j'ai rencontrés, finalement, j'ai réalisé qu'ils étaient bien engagés dans la vie sociale, même un certain nombre d'entre eux étaient encore engagés dans des activités sportives. Donc la question, c'était de savoir comment est-ce que c'est possible de vivre bien et d'être engagé dans des activités sportives et de loisirs, dans une vie, si on veut, normale, malgré la douleur chronique. La diapositive suivante. Quand on parle de douleur chronique, on voit dans la littérature qu'il peut y avoir jusqu'à 40% d'enfants et d'adolescents qui souffrent de douleur chronique. Donc la définition, c'est une douleur qui dure depuis au minimum 3 mois, et les plus fréquentes sont les douleurs abdominales, les céphalées, les migraines et les douleurs musculosquelettiques. Donc parmi la population que j'ai rencontrée dans mes recherches, c'est très souvent des douleurs qui n'ont pas d'explication médicale. Diapositive suivante. Quand on dit qu'il y a jusqu'à 40% d'enfants et d'adolescents qui ont des douleurs chroniques, il n'y en a pas autant qui sont réellement fortement impactés par la douleur. C'est seulement 3 à 8% qui présentent des signes graves d'impact, comme par exemple une perte de mobilité ou le fait qu'ils ratent beaucoup l'école et qu'ils ont du coup un impact sur leur vie psychosociale. C'est finalement pas un nombre si élevé, si on veut. Diapositive suivante. Donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi certains adolescents sont fortement impactés par les douleurs chroniques, tandis que de nombreux autres ne le sont pas. En d'autres termes, qu'est-ce qui permet d'aller bien, même quand on a mal? Diapo suivante. Ce qu'on peut voir en regardant la littérature, c'est le fait qu'il n'y a pas un lien direct entre la douleur et l'impact de ces douleurs sur le quotidien, ce qu'on appelle l'impact fonctionnel. Et il y a maintenant de plus en plus d'articles et de recherches qui montrent qu'il existe des facteurs de résilience qui vont permettre de diminuer l'impact des douleurs sur le quotidien et des facteurs de risque qui, eux, ont été beaucoup, beaucoup développés par le passé. Il y a encore beaucoup, beaucoup plus de littérature sur les facteurs de risque que sur les facteurs de résilience. Mais donc, ces facteurs de risque qui vont augmenter l'impact fonctionnel des douleurs sur le quotidien. Parmi les facteurs de résilience, il y a par exemple le fait de sentir optimiste ou de sentir qu'on est soutenu, qu'on arrivera à aller de l'avant par rapport à ces douleurs. Tandis que du côté des facteurs de risque, il y a les très fameuses peurs, anxiété, dépression, qui sont déjà beaucoup développées. On connaît que ces facteurs-là vont augmenter de manière importante l'impact de la douleur sur le quotidien. Prochaine diapositive. Donc, si on se demande si les adolescents sont des adolescents comme les autres, prochaine diapo. On peut se demander aussi qu'est-ce qui permet d'aller bien, pas seulement quand on a mal, mais qu'est-ce qui permet d'aller bien tout court. Et puis, peut-être parmi vous, certains étaient présents ce matin à la conférence de Rebecca Chanclan. Elle a parlé des 3 besoins psychologiques fondamentaux. Ces 3 besoins fondamentaux sont donc essentiels pour le bien-être et l'équilibre psychosocial et pour le développement harmonieux de tout être humain. Donc, slide suivante. Donc, on voit que leur satisfaction est très, très importante aussi pour des adolescents qui souffriraient de douleurs chroniques. À l'inverse, la frustration des besoins psychologiques est associée à un mal-être psychique et psychosocial et à un risque plus élevé de psychopathologie. Donc, ces 3 besoins fondamentaux sont le besoin d'autonomie, de relations et de compétences. Le besoin d'autonomie, c'est le fait de sentir qu'on peut faire des choses selon nos choix, selon nos valeurs, de sentir respecté dans ce qu'on fait. Et à l'inverse, notre besoin d'autonomie est frustré quand on se sent forcé de faire tout ce qu'on fait et qu'on a l'impression qu'on doit le faire sous contrainte.
au niveau des relations, la satisfaction des relations, ce serait de sentir qu'on est content des amis avec lesquels on peut partager du temps, on sent qu'on peut compter sur des personnes qu'on aime et qui nous apprécient à l'inverse. Et la frustration des relations, ce serait par exemple de sentir qu'on ne nous aime pas ou qu'on n'est pas soutenu du tout. Et troisièmement, le besoin de compétences, c'est le fait par exemple de sentir qu'on est capable de réussir ce qu'on entame. Là, on se sent satisfait, tandis qu'à l'inverse, si on a l'impression de rater tout ce qu'on entreprend, là, on serait dans une frustration du besoin de compétences. Prochaine diapo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un lien très étroit entre la poursuite de buts personnels et puis les besoins fondamentaux. En effet, en général, on poursuit des buts pour satisfaire nos besoins psychologiques fondamentaux. On va faire des activités qui nous font du bien, dans lesquelles on sent qu'on a des amis, qu'on a apprécié, qu'on est compétent. Et on sait que plus nos besoins fondamentaux sont satisfaits, plus on sera motivé à poursuivre des buts. Et ça, c'est un point qui est très important dans la douleur chronique, parce qu'un certain nombre d'adolescents qui ont des douleurs chroniques arrêtent de poursuivre des buts qui leur sont chers, malgré le fait qu'ils leur tenaient vraiment à cœur. Mais voilà, on va voir qu'il y a vraiment ce lien entre la satisfaction des besoins fondamentaux et la poursuite de buts. Prochaine diapo. Donc, quand on parlait de ce petit schéma qui n'a pas un lien direct entre la douleur et l'impact fonctionnel, ce qu'on pourrait proposer, et c'est ce qu'on a fait dans un article qu'on a publié en 2019, c'est le fait que la satisfaction des besoins fondamentaux pourrait jouer un rôle de résilience, tandis que la frustration des besoins fondamentaux pourrait jouer un rôle de risque par rapport à cet impact fonctionnel. Prochaine diapo. On a développé un modèle théorique, du coup, qui est basé sur le modèle de la peur et de l'évitement de Vlaayen, dans lequel on n'a pas mis au centre la peur, mais on a mis justement les besoins fondamentaux. Donc, on voit sur la gauche que c'est le cercle vicieux dans lequel une frustration des besoins fondamentaux amène à un cercle pathologique, tandis que sur la droite, la satisfaction des besoins fondamentaux amène à une possibilité de récupération plus rapide et d'aller bien finalement. Prochaine diapo. On a testé ce modèle empiriquement à l'aide de questionnaires. Donc, il y avait 120 adolescents qui ont participé à l'étude dans 6 unités médicales en France et en Suisse. Et puis, on leur a fait passer un certain nombre de questionnaires. Et ce qu'on a remarqué sur la diapo suivante, c'est le fait qu'en effet, lorsqu'on a des besoins de compétences et d'autonomie qui sont plus satisfaits, l'impact fonctionnel est moins élevé. C'est-à-dire qu'on va mieux réussir à gérer la douleur dans la vie si ces deux besoins-là sont satisfaits. Ceci n'a pas été validé pour le besoin de relation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un très bon niveau de satisfaction au niveau des relations qu'on aura moins d'impact fonctionnel. On a posé l'hypothèse qu'aujourd'hui, les relations passent beaucoup par les médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je veux dire, pardon. Donc, en fait, un adolescent, même s'il arrête d'aller à l'école, donc qui présente un impact fonctionnel élevé, va peut-être continuer à avoir des très bonnes relations, donc une très haute satisfaction des relations, grâce au fait qu'il est en connexion avec eux par le téléphone ou par tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est encore une chose à observer, de voir, il faudrait analyser un peu plus quel est le rôle des relations aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux pour ces adolescents qui ont des douleurs chroniques. Prochaine diapositive. Donc, prochaine encore. Ça, c'est le schéma dont je viens de parler. Donc, pour savoir un peu mieux, pour étudier plus en profondeur comment font ces adolescents pour vivre bien malgré le fait qu'ils ont des douleurs chroniques, on a mis en place une étude qualitative, donc dans laquelle on a rencontré 15 adolescents et adolescentes en Suisse et seulement en Suisse cette fois-ci. Et puis, on a un peu essayé de comprendre comment ça se passait, les relations au père, le soutien perçu par rapport à la gestion de leurs douleurs, et puis comment ils géraient leurs buts et leurs aspirations personnelles. On a analysé ces entretiens à l'aide d'analyses phénoménologiques interprétatives. Et les résultats qui sont sortis sur la diapo suivante, il y a eu deux grandes catégories. La première, c'est qu'est-ce qui me permet de rester actif? Et la deuxième, c'est traverser l'expérience de la douleur ensemble. Donc, une première sous-catégorie, c'est le fait d'être un expert de sa douleur. Beaucoup d'adolescents disaient qu'avec le temps, ils étaient devenus experts. Ça veut dire qu'ils savent exactement quels sont les médicaments qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas,
comment les prendre, à quelle heure, etc. Ils savent aussi comment organiser leur quotidien. Ça veut dire à quel moment ils doivent faire des pauses, par exemple, ou bien combien de temps ils peuvent faire une activité physique jusqu'à ce qu'ils dépassent un seuil, puis qu'après, ce soit très dur de récupérer. Donc, en fait, peu à peu, ils sont vraiment devenus des experts de leur douleur, et puis ça les aide à rester actifs, finalement, sans jamais trop exagérer, ni ne rien faire. Donc, trouver un juste milieu. La deuxième sous-catégorie, c'est profiter de la vie et se défocaliser de la douleur. Donc, slide suivante. Là, on a un exemple d'une jeune qui a des douleurs à la cheville et qui nous dit « J'ai l'impression que si j'arrête de faire des choses importantes pour moi, ça ne va jamais s'arrêter. Je vais arrêter d'aller à l'école, arrêter d'aller à cheval, même arrêter l'école, et ça amène à un cercle vicieux. Je n'ai pas envie de ça. » Donc, ceux qui connaissent le cercle vicieux qui a été décrit par Vlayan justement dans le modèle de la peur et de l'évitement, ça c'est vraiment les mots de cette jeune décrivent exactement comment le fait d'arrêter des activités qui nous sont chères peuvent amener à se sentir de plus en plus mal. Tandis que de rester dans ces activités qui sont chères à l'adolescent peut l'aider en fait à aller de l'avant avec ses douleurs. La troisième sous-catégorie qui s'appelle « Agir maintenant pour le futur », dans cette catégorie, on voit que le fait d'avoir des buts pour le futur, par exemple de vouloir devenir médecin, donc on sait qu'on va devoir avoir des bonnes notes à l'école, on va devoir aller à l'université et puis finalement pouvoir réaliser ce rêve d'être médecin. Il y a là, beaucoup, beaucoup d'adolescents qui nous disaient « puisque j'ai ce rêve pour le futur, je sais que je dois me donner de la peine maintenant, donc même si ça fait mal, je vais m'accrocher pour atteindre cet objectif futur. » Diapositive suivante. Dans la deuxième sous-catégorie, c'est vraiment le côté relationnel qui est sorti. Donc, c'est le fait de traverser l'expérience de la douleur ensemble. Il y a le fait de... Je vais commencer par la deuxième sous-catégorie, donc diapositive suivante. Le fait d'avoir l'air normal pour être accepté par les pairs. Donc, il y a une citation sur la diapo suivante. C'est une jeune qui dit « Je n'ai pas de béquille, je n'ai pas de plâtre ou de bandage, ma douleur n'est pas visible et je ne sais même pas le nom de ma maladie. Les gens pensent que je suis une menteuse. » Donc là, il y a vraiment cette importance des adolescents de faire partie d'un groupe. Et puis pour beaucoup de ceux que j'ai rencontrés, ils nous disaient que le fait d'avoir une douleur chronique, c'était d'être trop différent, donc de ne pas pouvoir être accepté dans un groupe. Donc beaucoup d'entre eux essayaient de cacher leur douleur, en particulier quand elle était inexpliquée, parce que justement, ils avaient peur de passer pour menteur, ils avaient peur d'être mal compris. Et puis là, on voit vraiment cette importance au niveau relationnel. Le fait d'être normal, c'est plus important que de montrer qu'on a mal. Donc ça mettait une grosse charge sur certains des adolescents pour pouvoir rester acceptés. Ensuite, on a vu aussi dans cette catégorie que les adolescents partageaient beaucoup avec des amis très proches, mais très spécifiques par rapport à leur douleur, mais de loin pas avec tout le monde. Et ça, c'est une stratégie qu'ils ont réussi à mettre en place pour que le niveau relationnel soit maintenu, donc la satisfaction de leur relation soit maintenue aussi. Sur la prochaine slide, on voit que c'est négocier des aspects développementaux et liés à la douleur avec les parents. Donc les parents, comme on l'a entendu juste avant, joue un rôle fondamental dans le soutien par rapport à gérer des douleurs au quotidien, mais aussi par rapport à soutenir l'adolescent dans son développement de manière plus générale. Donc là, on voit Marie qui a 13 ans et qui a une fibromyalgie juvénile, qui dit « Mes parents ne sont pas toujours d'accord que je fasse certaines activités quand j'ai mal. Il n'est pas trop que je veuille me forcer ou que je veuille absolument faire quelque chose parce qu'ils savent que ça peut me ramener tout droit dans un fauteuil roulant et puis à une vie beaucoup plus compliquée. » Donc là, on voit que les parents sont face à des choix pas forcément évidents. Parfois, c'est gérer les aspects développementaux, donc par exemple le fait que l'adolescent veut sortir de plus en plus avec des amis. Mais d'autres fois, c'est gérer par rapport à la douleur. Donc en sachant que leur fille va se retrouver en fauteuil roulant, ils ont peut-être des bonnes raisons de dire à leur fille de ne pas sortir. Donc il y a un peu ces deux aspects qui sont mélangés et des fois, c'est pas si facile à distinguer si le parent il dit non parce que pour des raisons d'éducation générale ou pour des raisons liées à la douleur. Prochaine slide. Donc, on voit que le rôle des parents est très important. Ici, on a une jeune qui nous disait « Ma mère me soutient dans mes choix. C'est clair que ça m'aide à continuer. Ça m'aide à vivre une vie normale. » Prochaine diapo.
Dans le modèle théorique qu'on avait développé, on a mis tout en bas justement le rôle important des parents, parce qu'ils sont non seulement importants pour aider l'ado à gérer ses douleurs, mais aussi pour soutenir les besoins fondamentaux des adolescents. Donc, on aura des parents qui peuvent être soutenants, et ainsi les besoins fondamentaux de l'adolescent vont être plus satisfaits, ou des parents qui vont être contrôlants, et dans ce cas-là, les besoins fondamentaux des adolescents vont être plus bas. Prochaine slide. Donc les parents soutenants, c'est des parents qui sont empathiques, qui ont tendance à prendre la perspective de l'adolescent, à l'accompagner dans ses choix, à aussi discuter de manière rationnelle quand ils prennent des décisions par rapport à l'adolescent, ils peuvent lui expliquer pourquoi ils ont pris une décision. À l'inverse, les parents contrôlants, ils ont tendance à être intrusifs et autoritaires. Quand ils veulent exprimer un choix qu'ils ont fait par rapport à l'adolescent, ce n'est pas forcément avec des raisons, mais c'est plus en ridiculisant ou bien en donnant des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à l'objet. Prochaine diapositive. Donc les adolescents qui sont soutenus, ils vont avoir tendance à plus agir suivant leurs valeurs et leurs normes, à beaucoup plus aller explorer, donc s'investir dans des activités qui leur tiennent à cœur, tandis que les adolescents qui sont contrôlés, ils se sentent plus facilement forcés d'agir d'une certaine manière. Peu importe l'activité en question, ça peut même être une activité de loisir, s'ils la font juste pour faire plaisir aux parents, c'est une activité qui est faite sous contrôle, donc pas nécessairement positive pour la satisfaction des besoins de l'adolescent. Donc ça montre vraiment l'importance des parents, non seulement pour aider l'adolescent à gérer ses douleurs, mais aussi de voir comment il arrive à soutenir l'adolescent, parce qu'on sait que s'il le contrôle, il risque d'y avoir un impact sur la douleur qui est encore plus élevée, vu que la satisfaction des besoins fondamentaux peut aider à bien gérer la douleur sur le quotidien. Prochaine diapo. Donc pour conclure, en effet, dans la douleur chronique, on peut aussi parler d'adolescents normaux et pas focaliser sur un point de vue psychopathologique, comme ça a été fait pendant longtemps. Donc c'est des ados qui ont des buts personnels, qui ont des besoins fondamentaux qui demandent à être satisfaits. Donc aussi, on peut prendre ça en compte dans les consultations douleurs, d'évaluer un peu quel est le niveau de satisfaction des besoins de l'adolescent, parce que s'il a un bas niveau de satisfaction, c'est bien probable qu'il aille très mal avec ses douleurs, alors que s'il a un haut niveau de satisfaction, c'est possible qu'il aille plutôt bien avec ses douleurs. Il y a un certain nombre de méthodes qui existent pour savoir comment soutenir les besoins fondamentaux des adolescents. Donc ça peut être fait par le pédiatre, ça peut être fait par les enseignants, ça peut être fait par les parents. C'est vraiment tout l'entourage de l'enfant au niveau des adultes qui a un rôle à jouer là-dedans. Deuxièmement, c'est des adolescents capables de développer des ressources, donc capables de trouver des soutiens et d'apprendre à gérer des douleurs, pour vraiment faire confiance à leur capacité de gérer. Ça, on l'a bien entendu aussi avant dans la conférence précédente. Et puis, c'est des adolescents qui vivent dans un contexte interactionnel. Donc vraiment, je vais mettre l'accent sur l'entourage familial et les relations père, parce qu'on se souvient peut-être d'autres que moi ont vu ce scénario dans lequel un adolescent était maltraité par les pères à l'école et puis il n'allait plus du tout à l'école. Puis finalement, sa douleur chronique était presque comme une excuse pour ne pas retourner à l'école, alors qu'en fait, le vrai problème, c'était un problème au niveau relationnel qui se passait au niveau de sa scolarité, enfin, du contexte scolaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Passionnant, beaucoup à dire, très riche. Elisabeth, je te passe la parole. Oui, merci Anina de nous porter notre attention sur les compétences des adolescents. On a souvent, comme tu l'as souligné, l'habitude de pointer ce qui va mal chez un adolescent et chez ses parents, en consultation de la douleur chronique en particulier, parce que ça saute aux yeux. Et en tout cas en France, on est très habitué à pointer facilement ce qui est négatif. Donc, merci beaucoup de nous encourager à regarder ces compétences, soit qu'elles soient conservées ou qu'il faille les valoriser, les encourager. Alors, on pourra répondre à des questions ensuite. Et maintenant, j'ai donc le plaisir d'introduire Madame Mélanie Noël. Donc, Mélanie Noël, que nous avons déjà entendue en France pour nous parler de ses recherches,
est professeur de psychologie au Canada, à l'université de Calgary, où elle anime depuis déjà beaucoup d'années un laboratoire de recherche sur la douleur de l'enfant à l'hôpital Alberta. Et elle a été amenée à conduire des recherches sur des enfants qui avaient mal et qu'elle revoyait dans son laboratoire, ou des tests également de douleurs un peu expérimentales, un peu voir comme le conditionnement. En effet, son topic de recherche, c'est la mémorisation de la douleur et son impact sur les douleurs suivantes et même sur des douleurs à long terme, comme celles des douleurs chroniques, des douleurs post-opératoire chronique après chirurgie de scoliose. Alors, Mélanie Noël a publié plus d'une centaine d'études sur ces sujets avec des domaines très riches d'investigation. Et nous lui sommes donc très reconnaissants de participer à notre congrès. Elle est donc connectée depuis le Canada. Je veux souligner aussi là son investissement, puisque pour elle, il est, je crois, 6 heures du matin. Donc, merci beaucoup Mélanie d'être avec nous. Alors, ces diapositives ont été traduites en français, d'ailleurs grâce à Anina Riggenbark. Elles vont donc s'afficher en français. Par contre, Mélanie parlera en anglais. Mélanie, c'est à vous la parole. Thank you very much for the introduction. I am very sad that I'm not in Paris with you all right now, but very thrilled to be able to present to you all at this wonderful event. So thank you so much for inviting me. Next slide. As Elizabeth mentioned, I am a Canadian, so I am from I live in Calgary, Alberta, in the western part of Canada. You can see there, this is Calgary here. It's in the beautiful foothills of the Rocky Mountains. And I do all of my research at the University of Calgary, but actually I work very closely with clinicians at the Byredell Pain and Rehabilitation Center at the Alberta Children's Hospital. So all of my research is really informed by what the clinicians are seeing and what the clinicians want to know. And we work very closely with the clinical teams. So I hope that you can see in this talk how the research that we do is really all designed to improve how we treat kids with pain. Next slide. So it may be surprising to some, maybe not in this audience, but we know now that chronic pain, that is pain lasting for 3 months or more, has been coined a modern public health disaster. We know that in Canada and worldwide, that about 1 in 5 children live with chronic pain, usually headaches, stomach pains, or musculoskeletal pain. And we know now that this is a huge public health problem, costing in the United States about $19 billion a year. And we know anyone that works with kids with chronic pain knows that it can really rob them of a normal development. It can affect their cognitive abilities, their social abilities. And so it's a major problem. Next slide. And what we're learning now is that this problem is not just confined to childhood and adolescence. With longitudinal research, we now know what happens to these kids when they grow up. If pain is not treated in adolescence, about two-thirds of these children will grow up to be adults with chronic pain. And oftentimes, chronic pain in adolescence is the first warning sign for a cascade of pain and mental health problems, including opioid misuse, PTSD, anxiety, depression into adulthood. And we showed a few years ago that having chronic pain in adolescence increases your risk for developing a lifelong course of mental health problems. Next slide. But what does this have to do with this baby? For the next 30 minutes, I'm going to take you on a journey and explain that how painful experiences in childhood can really set the stage
for a child experiences pain throughout their entire life. And it may be shocking to many that just 40 years ago, it was widely believed that babies couldn't feel pain. And so when I was born, I'm a 39-year-old woman, if I was born with a congenital heart defect, the doctors would have performed open heart surgery without any analgesia. So it was widely believed that babies couldn't feel pain, but it was widely believed that they couldn't remember pain. And it's really been the efforts of brave scientists and mothers who lost babies to these procedures that really started to shine a light on the importance of early life pain. Next slide. We know from two very seminal studies the importance of memory for pain. This was a study by Anna Taddeo and colleagues in Canada who followed two groups of babies. One group of babies was born of diabetic mothers. So these babies required heel lances, so needle procedures to draw blood in the first few days of life. They compared those babies born of diabetic mothers who had heel lances to a group of babies who weren't born of diabetic mothers, who didn't require these painful procedures. And when they followed those two groups of babies up several months later, just when they were getting vaccine injections, just as the nurse was cleansing their skin, which is not painful, the babies who had had those early unmanaged painful procedures started showing fears. They started showing distress. So this really showed that even in the first few days of life, painful procedures and painful experiences can lead to implicit or non-conscious memories that can follow a child and influence how they respond to pain in the future. Next slide. Another study came out a few years later, or around the same time, where they followed a group of children with cancer who required bone marrow aspirations and lumbar punctures as part of their cancer treatment. And they were randomly assigned to either receive pain management at the first lumbar puncture or bone marrow aspiration, or they didn't receive any pain management. And after that first procedure, all of the children received pain management. But you can see that the group of kids that received no pain management initially at that first procedure never derived the same benefit from analgesia afterwards. So this raised the possibility that not only are memories for pain developed, you know, but they can influence how a child responds to pain management in the future. Next slide. So this raises the issue of the fact that even before children can verbalize or tell us what they remember, it's very clear that they do remember pain. This is from a video of a child. She doesn't have language yet. She can't talk. It's a baby. But when she goes back to the pediatrician's office where she previously had a vaccine injection, as soon as she walks or toddles into that room again, she starts getting very upset. And the mother asks the camera, she says, "I think the child remembers this. Is that possible?" And the bottom line is, it is possible. Even if children can't tell us that they remember, they can show us, and they show us through their fears and distress. Next. And why is this important? Well, we are now in a pandemic where billions of children around the world need to receive vaccine injections in the coming months. And we know that the memory for pain can influence the development of fears and avoidance of medical care into adulthood. So take the example of needle phobias. We know that 1 in 10
people experience a phobia of needles. They avoid medical care. And almost all of those adults who have these phobias can root that back to one poorly managed experience in childhood that they remember in a very distressing way. Next slide. So we have shown, and others, other colleagues have shown in the last 20 years, whether we're talking about children with cancer undergoing invasive needle procedures, to healthy children coming into the lab and sticking their hand in cold water, that's how we study the pain in the lab, or if we're looking at children with undergoing major surgeries, we've shown that how children remember pain is a powerful predictor of how they experience pain in the future. And in fact, the memory for pain is more important in influencing how a child will cope with pain in the future than the initial experience of pain itself. Next. So what's really interesting as a psychologist is that pain is not like a tape recorder, memory for pain. You can't play back a painful experience and have it remembered exactly as it happened. Rather, our memories are susceptible to distortion. And we know that about 1 in 4 children will develop a negatively biased memory for pain. That means they'll remember pain as being more scary and more painful than it actually was. So an example would be if a child at a needle procedure rated their pain as a 5 out of 10, this child who developed this negatively biased memory would then go on later to remember that experience as a 10 out of 10. They developed an increasingly distressing memory of pain. And this is really important because children who develop these negatively biased memories for pain are more likely to experience worse pain and fear in the future. So as researchers and clinicians, we've been really interested in which children are at risk for developing these negatively biased memories. And we know that how procedures end is a powerful predictor of how people will remember pain. So this has been shown in a study following adults who were undergoing colonoscopies, and half of the adults were randomized to have a less unpleasant ending of the procedure. While the two groups of men getting these procedures had the same levels of pain, those who had a less unpleasant ending of the procedure developed more positive memories, accurate memories, and they were more likely to come back in the future for a subsequent procedure. We know that children who are girls are more likely to develop these negatively biased memories than boys. And we also know that girls are more at risk for developing anxiety disorders and pain problems like chronic pain. And the biggest culprit is anxiety. And I'll show you this in a couple of slides, that anxious children or children who have anxious parents are very likely to remember painful experiences in a negatively biased way. Anxious individuals are more likely to remember what they expected would happen than what actually happened. And we know that if you're anxious, you're likely to expect a painful experience to be really, really bad. Next slide. So we were really interested in this idea of how memory for pain may be one reason why children experience the development of chronic pain. Memory had been proposed as one reason why pain transitions from an acute to a chronic state. So a couple of years ago, some research was coming out following children with scoliosis and other kinds of issues that required major surgeries. And while this is an elective surgery, we were learning that up to 20% of the children that had these surgeries developed chronic pain. And so this provided a model where we could understand what the role of memory was in the development of chronic pain prospectively. Next slide.
So we followed a group of children, adolescents, who were undergoing these major spine fusion surgeries. We also followed a group of children that were getting pectus repair, very invasive, painful surgeries. And before the surgery, we asked the children and the parents about their catastrophic thinking about pain. So this is the tendency to feel helpless about pain, to ruminate or perseverate about pain, and to magnify the threat value of pain. It's a thinking style. We looked at their catastrophic thinking. They had the surgery. We rated their pain immediately after the surgery, and then we called them on the telephone 2 months later to ask them what they remembered about that surgery experience. And then several months later, precisely at the time when pain can transition from an acute to a chronic state, we rated their pain. So this allowed us to see how anxiety was influencing their memories for pain, but also whether memory was influencing whether or not children developed chronic pain. Next slide. And we found that how children and parents were thinking about pain prior to the surgery was a powerful predictor of how they remembered that experience. And this was controlling for all kind, like the initial pain experience, surgical factors. We found that children who tended to feel helpless about pain prior to surgery, or children who had parents who tended to magnify the threat value of pain or ruminate about their child's pain, those children and parents were more likely to develop negatively biased memories for pain. They were more likely to remember the painful experience as being worse than it actually was. Next slide. Next slide, please. Thanks. So in a subsequent study, we followed a large group of children in Toronto, Canada, who were undergoing these surgeries, about over 200 children. And the same story emerged, that children who were anxious prior to their surgery or in the first few days after their surgery, they were more likely to develop negatively biased memories of pain a year later. And children who developed these negatively biased memories of pain were more likely to develop chronic pain. Next slide. And that was the real question. Okay, anxiety predicts which children will develop these negatively biased memories, but once those memories develop, how do they influence the development of pain problems? Next slide. And we found that they did, controlling for all, next slide, the next, controlling for all of the initial pain and surgical factors, next slide, please, that children who developed negatively biased memories for pain, those children who remembered pain as being worse than it actually was, those children were more likely to report higher pain precisely at the time that pain can transition from an acute to a chronic state. So this really raised the possibility that, you know, that not only can memories for pain become distorted, but once memories for pain become distorted, they play a role in whether a child is at risk for developing pain problems. Next slide. So I got really interested in younger children because it was important to understand chronic pain. And I know Anina gave a great talk earlier about chronic pain in adolescence. But I was really interested in this notion of how early painful experiences, even in early childhood, may play a role in the development of problems into adolescence. And I think this is a really powerful period of development when children are around 3, 4, 5, and 6 years of age. This is a powerful time of child development. This is when children are developing theory of mind, when their language abilities are spiking and blossoming. And we know from the memory literature that young children's memories are highly susceptible
to distortion. They're very malleable. And we know that young children in this 3, 4, 5, 6 year range, their memories are highly susceptible to distortion, and they may remember, if you tell them something happened, they can actually adopt that as if it's a memory of their own. So their memory systems are very plastic and susceptible to distortion. And we know that language has a powerful impact on not just the pain experience, but memory for pain. So we were really interested in how the ways in which parents were talking to children about painful experiences may play a role in how they develop memories for pain. Next slide. This is a picture of me and two of three of my children, Georgia and Saleha. And so we were really interested in taking this model that we had developed and looking at how simply the ways that parents were talking to children after painful experiences influenced the ways that they remembered pain. Next slide. So just as you see there in that picture, we basically followed a group of young children who were undergoing tonsillectomies. That's when you get your tonsils out. Anyone that's had a tonsillectomy knows that it's pretty painful for the first week. And so we followed these group of children who were undergoing these tonsillectomy surgeries. And before the surgery, we looked at their language ability, and we also looked at how anxious the children and the parents were prior to the surgery. They had their surgery, they rated their pain and fear in the first few days after surgery, and then they came back to the lab to with their mother or father to talk about the surgery and to really talk about it as they normally would, to reminisce together. And then a couple of weeks later, we did a memory interview to see how they were remembering those that painful experience. So this allowed us to see what the impact of anxiety was on children's memories for pain, but also importantly, how whether the ways that parents talk to children or reminisced with them about painful experiences influenced how children remembered that experience. Next slide. So this was the first paper from that study. Next slide. And we found that it really didn't even matter how anxious a child was before the surgery. Next slide. But if a child had a parent who was anxious, if the young child's mom or dad had a high level of anxiety prior to the surgery, that child was more likely to develop negatively biased memories of pain. They were more likely to remember that experience as being more scary than it actually was. Next slide. So then we wanted to see, again, you can see that anxiety is a powerful predictor, not just of how children experience pain, but how they remember those experiences. And especially in early childhood, parents play a critical role. If a parent is anxious, that child is at risk for developing these negatively biased memories. But this paper was really interested in how the ways that children talked to their parents or reminisced about the painful surgery influenced their memory development. Next slide. And we found that indeed, as we hypothesized, the ways that parents, mothers and fathers were talking to their children about pain was a powerful predictor of how children remembered those experiences. So parents who talked to their children in more elaborative ways, that means they asked a lot of open-ended questions and they pulled for a lot of rich details in when they talked to children about pain, as well as parents who tended to talk to kids about the emotions of the event. Those children remembered that surgery in a more accurate or positive way. They remembered the surgery as not being as scary and painful as it actually was. But children who talked to their parents
in ways that used a lot of pain language. So while they were reminiscing, they would be talking a lot about the hurt or the sting or the pain, using a lot of pain words. Those children were more likely to develop negatively biased memories for pain. So this really showed the power of language in shaping a child's memory for pain. Next slide. So I have really argued that we should be targeting memory in intervention. So it is critically important to manage children's pain in the moment, right? Like, and we know that, say, take the example of needle procedures. We know that there are lots of things that we can do, like distraction, like numbing cream, that really improve a child's pain experience. But I think that this research really shows that memories, once a procedure is over, helping children reframe and change their memory of that painful experience can have a really powerful influence on how they experience pain in the future. Next slide. And we have actually argued that this could be used now to prepare children for vaccine injections and other kinds of procedures. Every child has undergone a previous vaccine injection or a needle procedure. And so parents and clinicians, we could be talking to children about these experiences. And I'll show you why. So in these three randomized controlled trials, they were looking at whether a memory reframing intervention would help children develop more positive memories of pain. So these interventions have been used with kids with cancer undergoing lumbar punctures, to kindergarten age children undergoing vaccine injections, to older children getting anesthetic injections for their dental procedures. And you can see here is an example of the vaccine injection study, where basically these interventions involved reminiscing with a child about a previous painful experience in a way that emphasized the positive details of the experience and corrected the negative exaggerations in their memory. This is a very simple example from the Brook study, where she followed a group of five-year-olds who were getting vaccine injections, and half of them were randomized to get pain-denying feedback, or they were randomized to get neutral feedback. So after the vaccine injection, the kids who were in the pain-denying group, a researcher visited them at their home and simply said, "When you got your needle, you were a very brave kid. It's like it didn't hurt you at all." So they just said that to the children on three occasions over the course of a year. The children in the neutral group after their injection, a researcher said to them, just neutral, you know, "When you got your shot, your mother talked to the secretary." And just by providing that language-based feedback, the children who got the pain-denying feedback developed more positive and accurate memories of pain. Children remembered that experience as being less painful or scary than it actually was, which really shows how powerful what we say to children, both as parents and as clinicians, can really play a role in how they remember those experiences. And I think the research that we've done has shown that if we can help children through language develop more positive memories for pain, that may allow them to experience procedures in the future as being less painful and scary. Next slide. So we developed an intervention. To end my talk, I'm going to tell you about this intervention. All of the previous memory reframing interventions were done were administered by researchers talking to children. But we really believe that parents are the most powerful agents of change in their children's pain experiences. So based on all of this research, we developed an intervention called Reframe the Pain. And basically, after a painful procedure, we taught parents three
critical things. Number one, we told them that when they talk to their child about the past painful experience, to really focus on anything positive that happened. So that could have been a friendly nurse or watching a movie, any detail that was positive. Number two, we helped parents talk to children, and we told them that when they catch a child remembering the experience as being worse than it actually was. So if a child said they cried for 10 minutes when they only cried for a minute, the parent would help correct that negative exaggeration in the child's memory. And number three, we helped parents talk to kids in a way that showed the child that they were brave, that they had some control over the experience, pointing out times when they actually did something to help their pain, like staying distracted. This is really important because we know the less helpless a child feels, the better the pain experience and the less likely they are to develop these negative memories. So this was an intervention, next slide, that we followed a different group of children undergoing the surgeries. Next slide. We followed a small group of children undergoing surgeries. Next slide. And basically, they all underwent this tonsillectomy procedure, the surgery. And then when they came back to the lab 2 weeks later, they were randomly assigned to either receive the Reframe the Pain intervention, or they received a control condition where the parents were taught to play with their children. And then a week after that lab visit, when the parents received the intervention or control, we asked the children what they remembered. Next slide. And you can see that the intervention worked. In this small study, just teaching parents in 15 minutes how to talk to their children in a way and reminisce with their children in a way that emphasized the positive and corrected negative exaggerations and boosted their self-efficacy, it actually led children to remember that experience in a more positive or accurate way, both in terms of their memory for pain intensity. So these kids were remembering the surgery as being less intense. Next slide. And also, children who received the intervention were more likely to remember that experience as being less scary. So they developed more positive or accurate memories of how fearful they were during that experience. Next slide. So we're very excited about this because we think that as clinicians, we can do a lot to improve a child's pain experience, and we can be using some of these strategies, but by empowering parents to talk to their kids in these simple ways, and again, this took 15 minutes, it could really foster positive memories, which can set children up on a better trajectory in the future. Next slide. So my final slide is just to say that memory matters. I hope I've shown you that children are capable of remembering these experiences. How they remember the experiences has important implications for how they experience pain in the future. Anxiety is a critical driver of this. And there are things that we can do to reframe a child's memory. But it's very important to remember that how children experience pain in the moment at the time of the painful procedure is also critically important. And this was shown in this study that showed that children who received proper pain management like numbing cream and distraction, even though their pain experience didn't change significantly, the children that received proper pain management were more likely to develop more positive and accurate memories for pain. So whatever we can do to manage a child's pain in the moment, that can have a long-lasting impact on how a child remembers pain. Final slide, please. So I'd just like to thank my brilliant graduate students
And collaborators and my funding agencies. And I just want to say thank you so much for inviting me to give this talk. I wish I was in Paris, and I promise I will come and visit you as soon as this pandemic is over. Thank you so much. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie, pour cette brillante intervention qui retrace tout le parcours des connaissances que nous avons sur la mémorisation de la douleur et en particulier l'apport des recherches qui ont été faites par Mélanie et son équipe. Alors, nous allons avoir un temps de questions, mais auparavant, nous avons une petite... un petit intermède dont nous commençons à avoir pris l'habitude depuis ce matin. Le voilà! Oh, tu es tout petit, petit, petit! Tu verras, ça va être vite fait, bien fait. Tu vas tout de suite tout oublier. On n'oublie jamais la douleur. Parce que tu crois qu'on laisse des traces? Un bébé, ça oublie tout. Parce que tu crois que mon cerveau a oublié ma toute première hospitalisation? Ben oui, si tu étais tout petit, 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 et voilà, t'as tout oublié. Eh bien non, pas du tout. Asseyez-vous. Après les années où il était indûment affirmé que le nouveau-né ne percevait pas la douleur du fait de l'immaturité de son système nerveux. Eh ben oui. Les recherches nous ont démontré que les structures neuro-anatomiques impliquées dans la naissance et la transmission des influx nociceptifs s'organisent dès les deux premiers trimestres de la grossesse. Oh. Exactement. Le premier neurone va de la périphérie jusque la moelle épinière. Le deuxième neurone jusqu'au thalamus. La jonction thalamo-corticale apparaît entre la 24e et la 30e semaine de grossesse. Eh ben... Voilà, ce qui nous autorise désormais à parler de douleur fœtale et ce, dès cet instant. Ben... Je poursuivrai en disant que les substances neurotransmettrices apparaissent pour la plupart aussi très tôt au cours de la vie embryonnaire. Non... Si. En revanche, les circuits inhibiteurs qui modulent l'afflux des influx nociceptifs sont immatures à la naissance. Ils se mettent en place durant la première année de la vie. Eh ben, dis donc! Tu vois, on n'oublie rien! Oh. Oh, on n'oublie rien! De rien, on n'oublie rien du tout! On n'oublie rien! De rien! On s'habitue! Pas du tout! Eh bien, merci beaucoup à la compagnie Entrée de Jeu qui nous livre des pépites, que disent des paillettes de vie au milieu de ces exposés parfois un petit peu ardus, n'est-ce pas, avec l'anglais. Nous avons donc d'abord des questions pour Étienne. La première question... Je ne sais pas si vous pourrez répondre, Étienne, concerne le fait que vous avez évoqué des soignants qui n'écoutent pas, qui ne transmettent pas, qui ne s'excusent pas. Alors, les soignants dans la salle nous ont demandé, mais en pourcentage, ça représente combien
des soignants qui sont ainsi si négatifs par rapport à l'ensemble des soignants que vous avez pu rencontrer? Alors, vous donnez un pourcentage exact, je ne fais pas de statistiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, pour une chose négative, ça restera toujours en tête. Même s'il y a un soignant sur 100, ça nous restera en tête le fait qu'on n'ait pas été écouté, le fait qu'on ne fasse pas attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent. Et du coup, vous donner un chiffre comme ça, je pourrais pas. Ça, c'est impossible. Oui, bien sûr. Vous nous avez en tout cas bien montré l'importance de faire confiance au patient, que c'est lui qui est expert de sa douleur, n'est-ce pas? Et vous nous avez montré quelque part le triomphe de la pensée pour contrôler votre ressenti, à quel point vous arrivez à contrôler vos douleurs de manière à rester très calme et très modéré ou mesuré avec les soignants. Alors, nous avons eu donc cette question. Comment réagir vis-à-vis d'un patient qui cote sa douleur à 10 et nous, quand nous l'observons, nous pensons que ce n'est pas le cas? Alors, c'est déjà le chiffre n'est pas en rapport avec une quelconque manifestation, je pense. Alors, je vais parler pour mon cas. J'ai, je pense, jusqu'à maintenant, jamais dit que j'avais une douleur à 10 sur 10, parce que j'estime qu'il peut toujours y avoir une douleur plus intense. Donc, même quand j'ai eu des fractures de fémur déplacées, qui peuvent être considérées comme des douleurs très, très importantes, j'ai probablement ou presque pas dit qu'elles étaient à 10. J'ai toujours considéré que quand j'étais très algique, c'était 8 ou 9. Pour me donner de la marge au cas où ça pourrait être pire. Alors après, réagir en fonction de que les gens montrent ou montrent pas, je suis incapable de vous dire, je suis pas en soi, là je suis invité en tant que patient et non pas en tant que professionnel de santé. Donc j'ai pas de cours ou de conseils à donner aux gens. Ce que je peux juste dire, c'est que il est important d'écouter et de croire en ce que les gens disent. Parce que ce n'est pas parce qu'on est calme et ce n'est pas parce que la douleur n'est pas visible sur le faciès qu'il n'y en a pas. Pour les gens comme moi qui ont eu énormément des douleurs, on est capable de se contrôler. Et chose qui est donc, comme je l'ai dit lors de mon intervention, fort probablement déstabilisant pour le soignant. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas comment, il n'y a pas de vision, pas de faciès, qu'il n'y a pas de douleur. Oui, c'est quelque chose que les soignants ont du mal à appréhender parce que les jeunes enfants, habituellement, tout se voit sur leur visage. Oui. Et vous nous avez expliqué que très tôt dans la vie, vous avez appris à contrôler votre expression. Et probablement que les enfants qui ont des douleurs répétées apprennent plus vite que d'autres. En tout cas, chacun a sa façon d'exprimer la douleur. Et ce n'est pas notre rôle de faire un procès à charge aux enfants en essayant de démontrer qu'ils n'ont pas mal. Parce que culturellement ou soi-même, par la force de son caractère, on peut masquer la douleur ou parce qu'on pense que ce n'est pas utile de la montrer. Et vous, manifestement, on se rend compte que vous cherchez à protéger peut-être vos parents ou les soignants ou même vous-même d'une trop grande expression de la douleur. Par contre, il y a peut-être des enfants qui on aura l'impression qu'ils en rajoutent à l'inverse. Donc, je crois que c'est leur affaire et nous, comme vous l'avez dit, c'est important de leur faire confiance. Voilà. Nicolas, peut-être vous pouvez reprendre les questions qui ont été adressées à Nina? Ah, alors peut-être que tu les as sous les yeux là. Moi, je voulais peut-être rebondir sur le témoignage d'Étienne pour dire que il nous a montré quand même que peut-être que dans un environnement familial sécurisant qu'il semble avoir eu, il en a parlé très clairement, peut-être que la confiance qui peut exister entre le dit patient et puis l'entourage médical va aussi
être peut-être propice à cette confiance. Hein. C'est ce que les attachementistes appellent aujourd'hui la confiance épistémique, c'est-à-dire comment faire confiance d'abord à son entourage le plus proche pour ensuite généraliser à l'ensemble des adultes quand on est encore un enfant assez immature sur le plan du développement psycho-affectif. Et donc cette confiance, je pense que les témoignages d'Étienne, mais aussi les recherches de Madame Noël vont dans ce sens, c'est-à-dire que l'importance des interactions précoces sur peut-être la manière dont on vit les événements médicaux, les événements douloureux dans sa vie. Je crois que c'est assez fondamental. Qu'en pensez-vous, Étienne? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Oui. Je vois pas, ben, je, pas beaucoup développé, vous avez été très clair et en effet, je pense. Ben, merci. Et puis pour Anina, eh bien, il y avait une question que je vais relayer, c'était concernant les environnements qui sont familiaux, qui sont justement où la confiance est très fragile. Elle est très ténue, notamment la confiance vis-à-vis du corps médical ou vis-à-vis des psys, vis-à-vis des professionnels. Et quand ces familles sont confrontées à un adolescent douloureux chronique, comment on fait justement quand il y a une confiance limitée, en tout cas dans un premier temps, par rapport à ces familles? Alors, si je comprends bien, la question, c'est de voir comment on pourrait augmenter la confiance dans les familles, que les familles ont dans le corps médical, c'est bien ça? Entre autres, mais surtout, oui, comment éviter l'errance, puisque quand il n'y a pas assez de confiance, il risque d'avoir une errance médicale, on change de médecin constamment. Au fond, comment installer un climat de confiance quand l'adolescent, justement, manifeste des douleurs chroniques dans son milieu familial, notamment? Alors, une chose est sûre, c'est qu'on voit qu'un adolescent qui est plus soutenu par ses parents et qui sent cette confiance va aller de l'avant de manière plus sécurisée, forcément dans le contexte médical. Moi, je pense qu'il y a vraiment une alliance aussi à faire entre les adultes, c'est-à-dire le personnel soignant et les parents, de voir qu'ils sont vraiment dans une... Ils sont en train de chercher des solutions ensemble. Et pour ça, il n'y a pas... C'est pas du tout une accusation ou quoi que ce soit, parce qu'on pourrait... Imaginez qu'on veut accuser les parents de ne pas faire leur job. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment qu'on est dans une relation compliquée, qu'avoir un enfant qui a des douleurs chroniques, c'est compliqué, et puis qu'ensemble, on peut trouver des solutions. Je dirais qu'il y a vraiment à voir les parents comme des acteurs importants dans la prise en charge des douleurs, même si j'entends assez souvent des soignants qui disent que l'ado est tellement mature, qu'il a vraiment de la facilité à comprendre la problématique des douleurs, qu'il arrive à se débrouiller tout seul. Je dirais... Ça peut être vrai, mais ça n'empêche pas que les parents sont des acteurs absolument fondamentaux là-dedans. Et puis que c'est grâce à eux, c'est en passant par eux, c'est-à-dire vraiment dans cette relation du soignant aux parents, qu'on va pouvoir accompagner au mieux l'adolescent. Et ensuite, une question autour de ces des différences entre justement des parents soutenants et des parents contrôlants. Moi, je trouve que c'est ça très très pertinent parce qu'il y a nous on voit par exemple des adolescents contrôlants vis-à-vis de leur environnement parce qu'ils sont inquiets, ils sont insécures. Justement, comment aider ces parents peut-être à devenir moins contrôlants quand ils le sont trop, si on peut dire. Ouais, bon, je pense qu'une des premières choses à prendre en compte, c'est qu'un parent en général, il n'est pas contrôlé, il n'est pas contrôlant pour aucune raison. C'est aussi qu'il y a beaucoup de crainte chez lui. Sinon, il n'aurait pas besoin d'être contrôlant. Donc peut-être il y a peut-être un travail de fond qui peut être fait pour accompagner le parent dans cette expérience d'être parent d'enfants douloureux chroniques. Après, il y a aussi des livres qui ont été écrits par des psychologues qui adressent justement la question de comment je soutiens mon adolescent, comment est-ce que je vais l'accompagner dans ce qu'il traverse, peu importe la thématique. Donc là, on parle spécifiquement des douleurs, mais ça peut être aussi d'ordre général, l'éducation d'ordre général. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait cette question... des questionnaires, comment un soignant peut évaluer en fait si un parent est soutenant ou est contrôlant, parce que c'est pas forcément facile à voir en entretien. Quand on a une séance juste de 20 minutes, c'est pas, ça ressort pas forcément. Donc là, il y a des outils qui existent, des questionnaires qui sont assez courts, qui ont été traduits en français, qui existent pour évaluer d'une part comment l'adolescent va se sentir soutenu ou contrôlé par le parent, et d'autre part comment le parent se considère lui-même comme étant soutenant ou bien contrôlant. Donc là, il y a aussi tout, il y a
vraiment à prendre en compte le fait que ce n'est pas parce qu'on veut être contrôlant qu'on est contrôlant, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas une autre solution, on ne sait pas comment faire autrement. Donc il y a des outils qui peuvent être amenés à ce niveau-là. Bien. Elisabeth. Voilà, merci Anina. Restez avec nous puisque vous allez nous aider à traduire ce qui concerne Madame Noël. La première question concernait la durée de la douleur chronique. D'ailleurs, c'est une question qui peut-être vous concerne aussi vous, Anina, dans votre recherche et également Madame Noël. Habituellement, on retient la durée de 3 mois, mais quand la douleur survient par pic, puis disparaît, puis revient, est-ce que finalement c'est la même chose? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, Anina, ou au niveau de la mémorisation, en parler aussi à Mélanie? Donc pour ma part, c'était un des critères dans le recrutement pour les adolescents que j'ai rencontrés, c'est le fait qu'ils devaient avoir des douleurs depuis plus que 3 mois. Bon, souvent, c'était beaucoup plus que 3 mois. Et puis, qui duraient de plus que 15 jours par mois. Ça, il y a une grande partie, en fait, qui n'était pas dans cette catégorie, justement, qui avait des douleurs qui n'étaient pas dites chroniques. Mais il y a toujours ce flou aussi dans la littérature. On voit ce flou par rapport à qu'est-ce qui est une douleur chronique ou qu'est-ce qui est une douleur récurrente. Donc, je n'ai pas résolu ce problème-là dans ma thèse. Je vais peut-être traduire la question à Mélanie. Mélanie, the question is about how do you define a chronic pain? Is it really just a pain that lasts for more than 3 months? Or how do you consider these pain that just come and are very strong and then disappear and they come 2 months later? What would be your consideration on the definition of chronic pain? Yeah, it's a great question because people define it differently depending on who you are. In our lab, we define pain that persists for 3 months or more. And so there's quite a large variability in that. Some children within our chronic pain studies will have pain that they experience on a daily basis, whereas other kids will have pain maybe a couple of times a month. It really depends. So like in our studies, we want to see kids that are doing maybe better and some kids who aren't, because we can learn from the children who see a resolution of pain. But basically we keep the definition of children who have pain, any pain that's lasted for 3 months. So, and that can range from stomach aches to, you know, limb pain. We take all kinds of children with pain. Oftentimes in Calgary, Alberta, we have a lot of headache is a big problem. And we have a lot of kids with migraine. And so, you know, for some of these kids, they may be okay for a week and then may have a big pain flare. So for us to be in our chronic pain studies, 3 months or more, any kind of pain. Donc la réponse de Mélanie Noël, c'est le fait qu'il y a effectivement différentes théories par rapport à cette définition de la douleur. Pour eux, dans leur laboratoire, ils prennent tout type de douleur qui dure depuis plus que 3 mois, donc pas avec un nombre de jours minimal. Ils ont remarqué donc des grandes variations dans leurs échantillons. Il y en a certains, c'est vraiment des douleurs qui sont présentes chaque jour. D'autres, c'est des douleurs qui sont présentes seulement de temps en temps dans un mois. Et puis à Calgary, là où est le laboratoire, du coup, ils ont beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont des maux de tête ou des migraines. Ça représente une grande population dans leur échantillon. Oui, merci. On a évidemment Étienne qui écoutait se poser la question par rapport aux douleurs répétées des accidents, des fractures de l'ostéogenèse imparfaite. Mais il y a aussi, bien sûr, on pense aux enfants avec la drépanocytose qui ont des accès douloureux répétés. Et finalement, on parle aussi de chronicisation au bout d'un certain temps. Peut-être on peut demander à Mélanie sur quoi elle mettrait l'accent pour retravailler justement ces nouvelles recherches qui émergent depuis quelque temps pour que s'il y a eu un mauvais souvenir, qu'il puisse être modifié.
Quel message elle peut donner aux soignants qui sont là dans la salle pour soit prévenir avant que l'événement douloureux arrive, bien sûr, mais par exemple, il y a cette question de l'anxiété des parents, comment la gérer, et puis surtout ensuite après, comment retravailler le souvenir. Elle a donné trois clés, mais ce serait bien que tu puisses développer. So Melanie, there's a question for you about what could we do, or what could the doctors and everyone who is in the room could do to prevent negative biased memories. So first, prior to the surgery or prior to the pain event, before it, what could we do? And after it, so how would it you talked about three different aspects that could help for making pain memories better. I'm sorry, I'm not very precise, but could you just focus on these three aspects? Yeah, it's a great question. it's why I believe there are three points of intervention. We talk a lot about how we can manage pain in the moment. So when it comes to surgery or needles, pain medicine is helpful, and distraction is helpful, and relaxation is helpful. So we want to keep doing that. We want to keep managing pain because pain is the biggest predictor of pain in the future and memory for pain. So we want to manage pain. We talk a lot about that. But I think that this research really shows the importance of helping children and parents reduce their anxiety before the painful procedure, because that is really the first predictor of poor pain, poor memories. So we know that we can do things with relaxation. We know preparation. The more that people feel prepared about the upcoming procedure, the better they do in terms of reducing their anxiety. So, you know, using preparation to increase controllability, reduce unpredictability of that experience is really, really important. So I think we need to do more before children show up to our clinics and require painful procedures. And that's really where parents can play a critical role. And then once the procedure is done, we have that third point of time where we can actually teach parents and ourselves, talk to children in a way that reframes the child's memory for pain. It's really focusing less on the intense details of the pain experience and really on the overall experience and the good things that may have happened, the nice people that were there, the positive details, as well as really helping children develop a sense of self-efficacy or confidence that they can handle pain and that it will go better in the future. So using suggestion for preparing them for the future. So we have beforehand reducing parent and child anxiety, in the moment reducing the pain with all of the strategies that we know about, and then after the fact really encouraging, we should talk about this with children, but here's a specific way that would be helpful to talk to them. And I'm happy to share any of our resources with anyone that's interested, because we have resources that outline how to do this. Okay. Est-ce qu'on a le temps pour la traduction? Oui? Oui, donne un message, oui. Ok, donc il y a vraiment ces trois phases. Il y a le avant, le pendant et le après. Donc pendant, on en parle beaucoup. Pendant l'acte douloureux, le fait, par exemple, de faire de la relaxation, de la distraction avec les enfants, c'est quelque chose qui aide beaucoup parce que c'est l'événement douloureux en lui-même qui va ensuite produire des souvenirs négatifs. Donc, très important de toujours bien se focaliser. Mais Mélanie Noël parle aussi de ce qui vient avant. Donc, on peut limiter l'anxiété tant des parents que de l'enfant. Donc, en les préparant à ce qui va arriver, en leur expliquant qu'est-ce qui va se passer pendant l'opération, en aménageant un peu le terrain avant la procédure douloureuse. Et puis, elle parle de l'après. Donc, là où les parents jouent aussi un rôle très important, c'est le fait de reparler de l'événement douloureux
sans se focaliser uniquement sur la douleur, mais plus de l'événement général. Donc, pas aller trop dans les détails de ce que l'enfant a ressenti dans sa douleur, mais d'aller vraiment aussi parler du contexte général de la chambre d'hôpital ou des personnes qu'ils ont rencontrées ou de ce qui s'est passé autour de ça. Voilà. Je pense que j'ai traduit. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant et on pourrait en parler encore pendant très longtemps pour avoir plus d'idées sur le sujet, mais là, malheureusement, nous devons nous quitter pour cette table ronde. Et donc, nous allons maintenant passer à la remise du prix. Ce matin, 4 communications, ou 5, bon, enfin, étaient en lice pour gagner un prix. Des communications qui parlaient donc de la prévention de la douleur des soins par des équipes, et vous avez voté, donc toute la salle a voté pour élire une des communications, puisque donc nous avons le plaisir d'accueillir Madame Olnet, qui est la présidente de la Fondation Apicil, fondation donc qui est un mécénat extrêmement varié qui s'implique énormément, très impliqué dans la prise en charge de la douleur. Madame Olnet. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. C'est toujours un peu étonnant de parler devant beaucoup de personnes, je ne sais pas combien sans vous voir, mais je suis ravie d'être là et de vous dire combien tout ce que vous faites est utile certainement. En écoutant toutes ces interventions, je me disais, je pense souvent à David Le Breton qui dit « la douleur est l'expérience la plus partagée, la moins partageable ». Alors oui, c'est compliqué de partager, mais pourtant il faut le faire. J'ai entendu que il fallait vraiment s'en occuper. À la Fondation Apicil, on a décidé de s'occuper non seulement des patients, mais aussi des soignants et également des proches. Et ça fait longtemps qu'on pense qu'il est extrêmement utile et nécessaire d'impliquer les proches et de prendre en compte aussi l'état émotionnel des soignants et cet accompagnement que les soignants peuvent faire pour les patients. Donc là, j'ai le plaisir de remettre un prix. Et ce prix, alors je crois que je peux le dévoiler maintenant, il va être remis donc à une équipe. C'est toujours un prix d'équipe que la Fondation Apicil accorde. Et donc, ce prix va être remis à l'hôpital Armand-Trousseau, pour le projet Illuminart. C'est un projet qui est porté par Céline Bouchard. Et donc, je suis ravie de remettre ce prix parce que je connais en plus ce projet Illuminart qu'on a déjà accompagné. Et je pense que vraiment, on l'a rappelé aujourd'hui, que pouvoir distraire les enfants pendant les actes douloureux, ça n'était pas du tout anodin, c'est extrêmement utile. Et ça leur permettra certainement de mémoriser cette expérience douloureuse autrement, en ayant vécu un moment illuminé grâce à Illuminart, vraiment. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai le retour de la personne qui va, au nom de son équipe, recevoir ce prix. Ah, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que nous, tout au long de l'année, on étudiait les demandes de subventions. On en reçoit 150, 200 par an, et on va pouvoir réunir notre conseil scientifique plusieurs fois. Tous les 3 mois, il y a des conseils scientifiques, des conseils d'administration qui se réunissent et qui permettent de choisir les projets que nous accompagnons. À ce jour, nous avons accompagné plus de 750 projets. Alors, il y a un décalage. Bon, je vous ai retrouvé, Elisabeth. Évidemment.
On est ravis, Nathalie, Oui. de pouvoir remettre ce prix à Céline Bouchard et Allez. à toute l'équipe de la douleur au niveau De de trousse. l'hôpital Trousseau. Donc, Oui. c'est une grande fierté, évidemment, pour l'équipe. Alors, Madame Bouchard n'est pas connectée actuellement au niveau des orateurs, donc elle ne peut pas vous remercier en personne. Et Ah. donc, je suis C'est vous qui le faites. déléguée. Je reçois beaucoup de messages, hein, évidemment, pour l'équipe est ravie et vous remercie beaucoup. Et puis, Tant remercie mieux. toute la salle, puisque ça a été un vote avec une majorité absolue, n'est-ce pas? 46%, si j'ai bien vu, de Oui. vote pour le projet, enfin pour l'action Illuminart. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à la fois pour l'équipe de la consultation à Trousseau et puis pour l'équipe Douleur, est vraiment. Et puis pour Madame Illuminart aussi, qui va certainement être ravie. Elle nous écoute sans doute. Voilà, donc effectivement, vous soutenez régulièrement des dizaines de projets avec des appels à projets qu'on peut vous envoyer tout au long de l'année et que, Oui. après, bien sûr, passage par votre commission scientifique, reçoivent en général un soutien sans égal. Merci. Merci à vous. Bonne continuité. Alors, je vous encourage maintenant à remplir le questionnaire, le sondage qui s'affiche sans doute dans la rubrique sondage pour évaluer cette session et nous dire votre opinion sur cette session. Et puis, eh bien, on se retrouve. Alors, on a pris un peu de retard, mais on se retrouve, je pense, à l'heure prévue. L'horaire est maintenu. Voilà.